Que nous allons fabriquer. Mais non, pas avec des crayons de couleur. J'ai hâte de savoir comment. Pas de panique, curieux. Je t'explique. L'arc-en-ciel est un phénomène lumineux composé de 7 couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, l'indigo et le violet. Oublie, curieux, l'âme magique, c'est une explication scientifique. Mais avant tout, nous allons essayer de fabriquer l'arc-en-ciel pour que tu comprennes bien. Alors, d'où sortent toutes ces couleurs? C'est beau! Pour un arc-en-ciel apparaître, il faut deux ingrédients, du soleil et de la pluie, et se placer au bon endroit. Du soleil doit être derrière toi et de la pluie devant toi. C'est le scénario idéal. Mais une goutte d'eau est parfaitement incolore. Pour réaliser la lumière du soleil est le résultat d'un mélange de toutes les couleurs existantes. Quand un rayon solaire pénètre dans une goutte goutte d'eau, la lumière change de mêlée et passe l'air à l'eau. Plus l'eau a l'air à ce moment-là, elle diffuse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors la goutte d'eau agit un peu comme un miroir. Exactement. La preuve, quand tu bouges, l'arc-en-ciel n'est plus visible. C'est super. Je crois que j'ai la réponse à mes questions. Quand la lumière traverse l'eau, elle se coupe et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle m'écorrige.